Lapinou et le légume louche. Dans une ferme isolée, vivait un lapin, Lapinou. Il aimait les carottes croquantes et la laitue frisée. Mais un légume étrange apparut un jour. Le panais était laid, tordu et sentait bizarre. Lapinou frissonna de dégoût à sa vue. « Il faut que je m'en débarrasse, » pensa-t-il. Lapinou tenta de l'enterrer, mais le panais revenait. Il fleurissait partout, envahissant la ferme. « Burk !» criait Lapinou chaque matin. Un jour, la ferme risqua de fermer. « Pas assez de légumes, » dit le fermier. Lapinou était inquiet. La ferme était son foyer. Avec courage, Lapinou goûta un petit bout du panais. Surprise, c'était délicieux. Sa grimace se transforma en sourire. Et peut me faire pêcher de délicat ma verte. Assieds-toi, dit-il, aux autres étimates, moi, le roi de la mule aux fermes. La ferme florissait de nouveau grâce au panais. Lapinou comprenait maintenant. Ne juge pas sans connaître, se dit-il joyeusement. Il vendait des panais sur le marché. Le légume magique de notre ferme, annonçait-il. Les gens venaient de partout pour en acheter. Lapinou était fier. Son dégoût initial s'était transformé en amour. Il avait sauvé sa ferme et découvert un nouveau mets favori. L'histoire de Lapinou et du panais fit le tour du monde. C'était l'histoire d'un dégoût vaincu et d'une ferme sauvée par l'audace. Téléchargez maintenant et découvrez de nouvelles histoires chaque jour.